Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle, enfin ce let's play sur Total War Rome 2, la suite de la campagne de Empire Divided où on joue les Calédoniens. Alors on avait réuni, on avait réussi à réunir complètement l'Angleterre et l'Irlande sous notre coupe et on réfléchissait à ce qu'on allait faire. On s'était allié à eux accessoirement en se disant que dans mes souvenirs, si je me rappelle bien, on allait essayer de prendre ces parties-là, du moins ces deux-là. Du moins pour faire tampon, pour éviter le truc. L'idéal, ce serait évidemment d'avoir ces trois-là. Mais c'est du costaud en face, et c'est tout de suite un adversaire assez compliqué à gérer. Donc, faut que je me rappelle un petit peu de ce que j'en étais. Donc ici, on a les consorts de Morrigan avec le roi. Et là, et on a notre général dans le nord qui était en train de recruter des armées. Mais il faut arriver à gérer l'ordre parce que j'étais un petit peu en mode compliqué de mémoire. Ici, ça a l'air d'aller. Pourtant, donner parce que j'ai des armées dans le coin. Ouais, c'est ça. Bâtiment, région, commercial. Bizarre parce que normalement je devrais être en négatif. Non, je suis à 6, donc c'est bien, on va pas s'en plaindre, mais pas du mal à comprendre pourquoi. Peut-être parce que je viens d'avoir un événement, c'est possible. Alors qu'est-ce que je peux faire ici? J'ai un peu de thunes. Là je peux améliorer Elbana, donc c'est la ville qui est là-bas. Je peux l'améliorer de façon à... Je perds de nourriture, mais je gagne de l'ordre, de la croissance, de la richesse. Ça apporte tout plus. Là, je peux aussi le faire. Ça rapporte plus de nourriture. Mais moins... Plus de bordel à côté. Compliqué, tout ça. Ici, ça fait quoi? 80, ça rapporte du cuir. Moins de nourriture. Bon, je passe plus de bouffe. Et là, je passe à 100 de richesse, tout simplement. Et là, 150 de richesse, mais je gagne ma salubrité et de l'ordre public. C'est pas évident à gérer les nouvelles... Les nouveaux problèmes d'ordre public et d'insalubrité, parce que c'est des données qu'il faut prendre en compte, évidemment. Ici, ok. Là, j'avais un... Ça, c'est à Camilla de Londres, donc à Londres, si vous préférez. J'ai une auberge des guerriers qui me rapporte de la richesse, du moral et plus de capacité de recrutement. Pareil pour ça. Terrain de rassemblement, ça me rapporte de la richesse. Moins de banditisme, c'est pas mal aussi ça. Plus d'expérience pour les champions, ça me rapporte la même chose. Et j'ai ça aussi qui me fait plus. Ok. Moins 10 de bonus de charge pour les unités. Ouais, on s'en fout un peu. Pas évident tout ça à gérer. Hein. Je pense que je vais partir sur le. Oh, compliqué. Là, j'ai 100 de richesse des deux côtés, plus 1 d'expérience pour les dignitaires ici, plus 1 d'expérience pour les champions. Là, j'ai moins 3 de banditisme, plus 10% de richesse provenant des mines, industrie. Même pas si mal que ça. J'ai mis des mines en plus ici. Pas de cracher dessus. Bon, maintenant, ça reste qu'une seule mine. Donc en soi, c'est pas non plus... ça fait que 35, c'est pas énorme. 10 morale pour lutter des recrutements, et plus d'armée, moins plus 10 d'attaque pour l'infanterie de mêlée des recrutements. Je pense que je vais plutôt prendre ça, moi, le terrain de rassemblement est plus intéressant. Prendre ça. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire encore ici? Alors ici, j'ai une maison de l'artisan, qui apporte des archers en garnison, et... la richesse en industrie. Là, c'est toujours la même garnison. L'agriculture est toute boostée. Ça, c'est plutôt pas mal. On va avoir un peu plus de thunes. Commerce. Et déverrouille le recrutement de diverses choses, balistes, archers des montagnes, tirailleurs, elfes. C'est pas mal aussi ça parce que c'est quand même
ici que vont se passer la plupart de mes recrutements, dans un premier temps, viendra de l'Angleterre. Par ça, ça m'apporte pas grand chose de plus. Par contre, ça... C'est compliqué, ça. Donc, je crois que je suis déjà parti sur le... Oui, en fait, non, c'est plus intéressant de faire ça, alors, du coup. De faire le truc de l'agriculture. Donc, on dit que je suis déjà occupé sur le cabinet de Nolan à faire l'histoire de recrutement. Et c'est de là que va partir, de toute façon, la grosse majorité. Donc, voilà, j'ai plus de... thunes. Et ici, je sais plus rien construire non plus. Tout est en construction. Je peux encore améliorer ça, éventuellement. Apporte un peu plus de richesse venant de l'industrie. Donc, en premier temps, on va laisser comme ça. Donc là, c'est mon général Nimmo et l'autre Magurix, le roi. On va peut-être, recruter des unités. On va peut-être pas encore tout de suite. Là, je peux pas faire grand chose. Je vais attendre que les bâtiments se terminent. Terminons le tour. Et voyons un peu ce qui se passe. Donc, petit rappel, pour cette semaine, il n'y aura que deux épisodes, donc aujourd'hui et jeudi. Mais dès la semaine prochaine, on va reprendre le rythme, enfin, on va prendre le rythme plutôt de l'ancien horaire de Total War Warhammer 2, étant donné que j'ai le let's play se termine cette fin de semaine de l'autre let's play. Donc, à partir de la semaine prochaine, on prendra un épisode par jour sur Total War Rome 2 à 18h, donc à l'horaire qu'avait Warhammer 2 auparavant. Là, vous êtes au courant. Qu'est-ce que je peux bien faire ici? Camilo Donnon est encore occupé à tout construire, donc on va encore un petit peu attendre. Peut-être améliorer ceci, ça m'offrait quoi? Plus de richesse. Même beaucoup plus de richesse, donc c'est pas mal ça. Mais peut-être voir un petit peu pour situation générale, parce que je suis peut-être pas être à l'aise non plus. Enfin, quoique l'ordre public ça remonte, c'est bien. Le banditisme, ben, ça aide beaucoup parce que j'ai une armée sur place. La nourriture, je suis peinard. Ça fait plus de nourriture. Ça fait... Apporte une garnison en prime, ça c'est pas mal. Des vrouilles, recrutement, des tirailleurs. Oui, bon, on va faire ça direct, je pense. On va faire ça. Ah, Boracom. Et ici, je pourrais éventuellement, ça fait plus de nourriture. Et de la richesse en prime. Peut-être pas le plus urgent. Par contre, éventuellement, passer ça en supérieur, ça peut être bien. Voilà. Donc, voyons un petit peu ce que ça donne aussi au niveau diplomatie, je cherchais. Donc j'ai mes francs qui sont là. Soyez le bienvenu, noble ami. Le pain, la bière. Alors, on peut faire une alliance militaire, il accepterait? Non. Il veut pas. Avec une profonde sagesse. C'est pas grave. C'est pas grave. Attendre encore quelques tours, le temps de pouvoir recruter une armée complète là, et après de toute façon on voudrait quand même laisser un petit peu de monde sur place. Au niveau de mes croyances, ça donne quoi? Le Celtic reprend largement le dessus, ok, ça c'est bien. Et là-bas, tout pareil, voilà, donc le truc Celt, ça marche plutôt bien. C'est plutôt pas mal ça. Bon. Il me semble que celle-là me semble plutôt bien pour commencer. Je vais envoyer mon druide de l'autre côté. Comment je fais pour le séparer encore du groupe? Je vais juste le séparer. Bon, on fait pour séparer maintenant. Non, je vais pas le dissoudre, je veux juste... le IT. On fait pour splitter mon armée encore. Pop, pop, pom, je sais plus.
C'est embêtant, ça. Marche forcée, en fait, en plus 4 fortifiés, non, vue de l'armée. Détail. Non. Recruter, engager des mercenaires, action, effectif. Ah bah je sais pas du tout, tiens. De l'hippocampe, limo en général. Niveau politique, le clan de l'hippocampe aime les orientaux, traditionnalistes aime les barbares. Statistique du parti. Ok. Tout un truc que je dois encore vraiment bien explorer parce que je connais pas trop. Prendre des mesures contre le clan de l'hippocampe, pas besoin. Sympa. Moi je prendrai des mesures contre eux. Province, là, île. Bon, ben on va attendre, du coup, un tour en plus. La confrontation avec la Gaule romaine risque quand même d'être très 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 compliqué. Il faudra vraiment gérer. Cet homme c'est dû jouer l'expérience, ok, c'est bien. C'est bien. Niveau des revenus, tout va bien. Réservoir, ça c'est fini. Ok, du coup. Du coup, qu'est-ce que je pourrais bien lui donner celui-là? On va faire ça. Il aura plus de portée de déplacement pour toute l'armée. On va pas se cracher dessus. Alors. Ça c'est fait. Ici mon copain là. Qu'est-ce que je peux recruter en plus maintenant? Voilà, j'ai des trucs comme ça. Chez Celtic. Pas les meilleurs, c'est pas les pires. Ça, ça m'apporte quoi encore? Ouais. On ouvre une nourriture, on est peinard. Banditisme, ça va, ça gère. Revenu, c'est bon. Je me pense à recruter. Du coup, bah on va recruter alors. Qu'est-ce que je peux bien éventuellement prendre? C'est une vérification. Où je t'ai occupé à faire les trucs d'équitation. Je sais plus maintenant. C'est dans l'autre province ou c'était ici? C'était là pourtant. Alors on va chercher un peu mieux. Ici si je peux passer en colonie fortifiée à aussi pour Stanwick. Pour des trucs donc on va le faire. Voilà. Je suis pas embêté parce qu'il faut que je commence à prévoir l'invasion de l'autre côté, mais il y a pas énormément de trucs pour le faire. On va quand même prendre quelques guerriers peints parce que c'est quand même assez bourrin. Voilà, on va en faire deux, c'est toujours ça de prix.
Bon, quand on décide de faire de conquérir les Belges, une fois, de tous les peuples de la Gaule, tout le monde sait que c'est nous les plus forts. Donc, guerriers pas, ok, populace motivée, ils sont contents, c'est bien, la production, tout va bien. Dans le meilleur des mondes, et qu'est-ce que je, est-ce que je peux recruter plus de trucs maintenant? Non, je ne peux pas. Dommage. Bah, du coup, on va simplement recruter des trucs. Donc j'ai des guerriers pas. J'ai des mecs comme ça. Bataillon de bretteurs, c'est ceux-là qui valent quand même pas grand-chose. Je ferais peut-être bien les virer. Je crois que je vais les virer et je vais faire des bretteurs celtiques, des vrais, des costauds. Parce que entre les deux, je crois qu'il n'y a pas photo. Ton meilleur dans tout. Si c'est pour conquérir un truc, autant prendre ce qu'on a de mieux au niveau du combat. Donc ça, je vais dissoudre. Je vais simplement... Non, je vais pas les dissoudre, je vais simplement les... Il y a quand même un moyen. Ou alors je dois lever une autre armée pour... peut-être. Prendre un autre héros. Pour le transférer. Probable. Bon, 1, 2, 3, 4. On va déjà faire ça. Et puis on va faire des archers en plus. Du groupe en plus, voilà, ça me paraît bien. Je peux en faire une. Non, ça passe à deux tours. On fait comme ça dans un premier temps. Ça me paraît plutôt pas mal. On vire cela. Et on va pouvoir après partir vers Nemekatum. Ou Bavakum. Peut-être Bavakum et puis redescendre vers le sud. Donc on va faire comme ça, puis comme ça. On descendra. Si jamais vous jouez aussi au jeu, au DLC, dites-moi où vous en êtes dans votre partie, quelle faction vous avez pris, ça peut toujours être intéressant de comparer un petit peu l'évolution. Rapport militaire, donc voilà, ça c'est ok. Rapport de construction, ça c'est bien aussi. Du coup, j'ai fait l'enclos à chaud, je peux construire. C'est ici que je peux recruter ou c'était dans le nord que je peux recruter des. C'est ici, donc on va en faire. Cavalier celtique. Tirailleur à cheval celtique. On va prendre des cavaliers. 1, 2. Je suis à full. Donc, je suis full. Du coup, on va recruter tout de suite une autre armée. Lever des forces. Ah bah on va prendre Obiorix, tiens. Hop. Voilà. Tu peux prendre ceux-là, voilà, tu peux, pas de problème. Ton cadeau. À moi, j'ai de la place pour recruter ce que je veux avec lui. Donc j'en veux encore. 3 c'est bien. Oui, encore. 1, 2, voilà. Et là on est bon. Là on sera bon, prochain tour on peut bouger. Alors j'ai une nouvelle... Un nouveau truc à chercher, l'économie, l'opportunité et la première étape de prospérité, paplam. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Foire des marchandises, ça me permet de faire de telle de la monnaie, marché aux esclaves, roi sel, marché public, ok.
ça, ça me permet de faire beaucoup d'autres choses. C'est tout pour l'économie. Je pensais aux militaires parce que je vais avoir besoin de progresser à ce niveau-là. Plus 10 bonus de charge pour toutes les unités, ça c'est pas dégueulasse. Pour les bateaux, on est utile. Plus 8 de portée de déplacement pour toutes les armées, ça c'est pas mal aussi. Non. Pour tout ce qui est compagnie, on va prendre ça. Vivre de la terre me paraît pas mal, vu qu'on va bouger. Voilà. Bon. On attend le tour encore. Yep, et on y va. Un petit check aussi, voir ce que l'hiver me coûte. Offrande votive, druide, astrologue et devin occupaient bien des fonctions dans la société de la culture barbare du monde antique. Ils abritaient des conflits, ils arbitraient les conflits, conservaient les traditions, étaient des philosophes naturels et se chargeaient des rituels. Dans la vie communautaire celte, ils étaient également un moyen pour les chefs tribaux de communier avec les dieux. Les secrets, mystères et pratiques pour plaire aux dieux et pour les apaiser étaient transmis à l'oral d'une génération à l'autre. Donc on a gagné. Aussi qui donne plus d'ordre public et du moral pour tout le monde. C'est très 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 bien. Ça tombe parfaitement bien. Du coup, toi, bah, let's sail. Et bah, débarque là. Hein. Plus court t'es, au mieux c'est. Et toi, tu peux te mettre en garnison là-dedans. Voilà. Et là, on est bon. On est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je pourrais éventuellement construire encore pour améliorer un peu tout ça? Ici, donc l'ordre public c'est parfait, le revenu c'est parfait, les banditismes, oh, tout va bien, la nourriture, on est bon. L'ordre public, on est largement dans le positif. Perdu de terrain sur le Celtic, tiens. Le latin prend le. A pris plus, pourquoi? Rien fait qu'il pousse le latin en avant quand même. Il me faut réalisation des foires. Ok, donc c'est pas pour tout de suite. Ça, ça rapporte de la nourriture en plus. Un peu d'une. Ça, ça m'apporte une nouvelle garnison et du recrutement des nobles celtiques. On va faire ça. Jamais perdu. Ensuite, ça. La culture en avant. Nourriture, mais pas plus. Moins intéressant, et on va faire ça aussi, voilà. Si vous avez des conseils à donner, n'hésitez pas, hein, je rappelle, hein, parce que je suis encore plus noob sur ce jeu-ci que sur Warhammer. Alors, nous y voici. Enfin, on débarque. Salut tout le monde. Les mécatomes, il y a du monde là-dedans. Il y a un peu de monde, mais sans plus. Donc on peut aller tranquillos. Tout de suite derrière. J'ai pas fait grand-chose de plus, hein, de toute façon, que d'attaquer. J'ai pas spécialement envie de... Bon, ça déverrouille des trucs en plus, je vois. Donc ça, on va le faire, voilà. Bon, vu qu'on est là, on va prendre Nevekatum, mais qu'il n'y a personne dedans, on va le prendre direct. Et on va bifurquer après sur Bavakum. Absolument rien dedans, donc on y va. Hop.
Pas besoin, hein. On va l'automatiser celle-là. Voilà. Perdu 94 gars, ça va, c'est tranquille. On occupe. Imperium, votre puissance n'a plus de limite. Vous pouvez maintenant maintenir des armées, flottes et agents supplémentaires et mettre en place des décrets provinciaux. On passe de 4 à 6 armées, flotte 2 à 3, espions on peut en avoir 2, dignité on peut en avoir 2 et des champions on peut en avoir 2. Ok. Tranquille. Alors ici de toute façon on rase tout. Grand hôtel de Goibniu. What is that? Ah, c'est quoi que le grand hôtel de Goibniu? Religieux de la région, je suppose. Ce bâtiment n'est pas disponible pour votre action. Il ne vous offrira peut-être pas tous ses avantages et pourrait même avoir des effets indésirables. Ça m'apporte de l'influence culturelle latine. Je n'aime pas ça. Je veux du chez moi. Du vrai, du celte. Qu'est-ce que ça m'apporte faire des trucs ici? J'avais fait ça de l'autre côté. Mais j'ai envie de faire autre chose. Donc. Hygiène monte, influence culturelle celtique avec le bois de Toutatis, plus 5% de richesse pour l'industrie, moins 10% des unités. Ok. Je pense que je vais partir sur le bois de Toutatis. Voilà. Très bien. Ici, pète ça. Tu peux le détruire. Ça, pas utile. Tu peux le détruire. Ça, pas utile. Tu peux le transformer en. C'est quoi ça? Ouais, vas-y, fais ça. Hop. Ok, alors, Nemecatum est avec Treverorum. Je veux avoir la Belgique, c'est ça que je dois choper. Donc on va peut-être tenter faire ça, ça, en ce sens-là. Et Bavakum est avec quoi, alors? Bavakum est avec Argentorum. Bon, c'est bizarre comme répartition. Donc, on va faire... comme ça, comme ça, comme ça. Je pense qu'on va, partir sur Bavakum quand même en premier. D'abord finir les constructions de deux Dobricoles ici pour être un petit peu en défense. On va pas se précipiter non plus. Par contre, l'épisode s'approche doucement de la demi-heure, donc on va en rester là pour aujourd'hui. Je vous retrouve jeudi donc à 18h pour la suite de la campagne de Total War Rome 2. Je vous souhaite une bonne soirée et à vous dire à la prochaine. Ciao, c'était Magdarch.